Bonjour, aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo. Il s'agit de réaliser la boîte impossible avec le die de chez Créalise. Donc ce die porte mal son nom tout simplement parce que c'est très facile à réaliser. Donc le kit se compose d'un grand die qui sert de gabarit et pour la boîte et le reste de die est utilisé pour la décoration de la boîte. Donc il y a un jeu festonné et un jeu simple en fonction de ce qu'on préfère utiliser. Donc pour ma part, vous le voyez, j'ai déjà fait les découpes. Donc j'ai choisi la décoration festonnée, tout simplement ce que je préfère. Donc j'ai choisi de réaliser deux boîtes, une sur une base noire, une sur une base craft. La base craft, je vais la décorer avec le papier allophone arc-en-ciel et la base noire avec du papier à paillettes argenté. Donc là, j'ai coupé qu'un seul gabarit en craft, donc je vais découper le deuxième. Donc c'est du cardstock 220 grammes. Donc le grand gabarit, il vous en faut deux. Et pour les pièces, eh bien, il vous en faut quatre de chaque forme. Donc j'ai envie de vous dire, une fois que vous avez découpé les deux gabarits, vous passez déjà à la décoration. Donc vous verrez qu'on ne colle pas forcément les quatre exemplaires de chaque forme d'un coup. On n'en colle que deux pour certaines formes. Vous verrez au fil de la vidéo, tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile de coller les deux autres pour bien les aligner lorsque la boîte est montée. Donc, je vous laisse regarder la vidéo. Je ne vais pas commenter parce que je pense qu'on voit bien en vidéo. Si après vous avez des questions sur le montage, ben, vous n'hésitez pas par mail. Il est inscrit dans la barre d'information. You, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. Like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored? So if I play dead, will you?
I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? Donc ensuite vous mettez du double face sur les languettes. Et on passe à l'assemblage des deux gabarits. Donc il faut juste veiller à bien aligner les plis de façon à ce qu'il n'y ait pas de décalage. Et là, ben, vous retournez pour coller la petite languette. Donc on plie le rebord du haut avant de coller les deux dernières languettes, sinon ça ne fonctionne pas. Donc on le replie vers l'extérieur, c'est le haut de la boîte. La petite languette va se coller entre le bord festonné et la boîte. Voilà, j'essaye de vous le montrer au mieux en vidéo. Donc entre les deux parties. Et il faut toujours bien veiller à être aligné.
Donc pour le fond de la boîte, eh bien, soit vous le fermez comme ça, soit vous mettez du double face ou de la colle, ce que vous préférez. Le double face va très bien. Si vous mettez de la colle, ça sera ben, plus long à prendre. Là, si vous voyez que le double face dépasse un peu de la zone de collage, je crois que je le fais après dans la vidéo, vous mettez tout simplement votre poudre de... Ben voilà, votre poudre à embosser. Ça enlèvera le côté collant et ça ne laissera aucune trace. Voilà, comme vous le voyez, c'est terminé. Il suffit de coller les triangles manquants sur le haut de la boîte. Donc pour la décoration, vous pouvez suivre ces modèles-là, mais évidemment, on peut faire des tamponnages, on peut faire des colorisations, des fonds à l'aquarelle, pourquoi pas. C'est libre cours à votre imagination. Voilà, la boîte est terminée. J'ai très très peu accéléré la vidéo pour que vous voyez au mieux les étapes. C'est vraiment très facile d'utilisation. Donc plus vous prenez du papier épais, plus au niveau des rebords où il y a les languettes, ça risque d'être un peu épais. Il suffit de l'ouvrir et la fermer plusieurs fois d'affilée et puis ça prend le jeu et aucun souci là-dessus. On peut très bien imaginer ceci en décoration sur une table pour des dragées d'un mariage, d'une communion ou autre, ou d'un baptême. C'est vraiment très très sympa. En marque-place, pourquoi pas aussi.
Donc là, on voit que j'ai un peu moins bien collé un des triangles, pas tout à fait aligné, mais ma boîte est terminée. Vous voyez que c'est vraiment très facile à réaliser. Un petit sachet d'organza dedans pour mettre quelques bonbons, chocolat, dragées, et hop, vous avez une super décoration. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes créations, et je vous dis à bientôt.